Ce monde est devenu un mauvais père à l'image de son mauvais père. Voleur, squatteur, profiteur, usurpateur, menteur. Un mauvais père engendre de mauvais fils qui deviennent de mauvais pères. 1. Les faits. Comment s'appelle profiter, jouir d'un endroit, d'une chose sans être soumis à celui à qui il appartient ? Voleur. Comment s'appelle s'installer, habiter, dans un endroit sans respecter les règles du propriétaire, squatteur. Comment s'appelle profiter pour soi-même en méprisant l'autre, profiteur. L'État lève des impôts sur une population qu'il n'a pas engendrée, créée, voleur. L'État gère un territoire sans manifester la soumission à celui qui l'a créé et qui le lui a confié, squatteur. L'État défend ses propres intérêts avant de défendre ceux de sa nation, profiteur. 2. Un père. Comment s'appelle quelqu'un ou une autorité qui règne sur un groupe ou une communauté en y démontrant un modèle de vie, un père. Question, les enfants d'un mauvais père peuvent-ils devenir de bons pères ? Dieu, le Créateur,
est un bon père, puisqu'il maintient et entretient ce monde chaque jour malgré l'insoumission des hommes à sa volonté et leur non-respect envers sa royauté. C'est pourquoi seul un retour à Dieu peut sauver l'homme, puisqu'il ne sera sauvé qu'en devenant un bon père, digne d'entrer au ciel éternel de la justice. 3. La justice. Il n'y a ni injustice ni impunité. L'homme paiera tout ce qu'il a consommé et bénéficié dans ce monde. Il accumule pour le moment une dette, comme on remplit son chariot au supermarché, et il passera à la caisse le jour du jugement, afin que tout ce qu'il a fait, volé, squatté, profité, usurpé, menti, soit pesé et compté par le propriétaire de ce monde. Tout ce que j'ai fait pour l'homme, tout ce que j'ai fait de favorable à la vie de l'homme sur cette terre, dans cette vie, est comptabilisé. Les hommes auront oublié tout ce dont ils auront bénéficié et profité dans ce monde durant leur vie, mais je n'aurai rien oublié, dit Dieu. Tout sera compté, pesé et réclamé, car je redemanderai le paiement à chaque homme de tout ce dont il aura profité et qui m'appartient. Ce monde est à moi, il m'appartient, je l'ai fondé de mes mains, je le maintiens en état de fonctionnement chaque jour par ma volonté et ma puissance. C'est pourquoi je serai juste, tous les comptes seront justes, il n'y aura pas de dette ni de mauvais payeur dans l'éternité. La voix des méchants voleurs. Jérémie 12, verset 1, Yahweh. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les traîtres sont-ils en paix? Tu es près de leur bouche, mais tu es loin de leur cœur. Tu les as plantés, et ils ont pris racine. Ils s'avancent, et ils portent du fruit. Ils disent, on ne verra pas notre fin. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes après toi à plein gosier. Ne les crois pas, quoiqu'ils te parlent amicalement. Ils ont semé du froment et ils moissonnent des épines. Ils se sont fatigués sans profit. Appel à tous les mauvais pères, appel aux dirigeants des nations. Ainsi parle Yahweh contre tous mes mauvais voisins qui mettent la main sur l'héritage que j'ai donné à mon peuple. Voici, je les arracherai de leur pays. Et il arrivera que s'ils apprennent bien les voies de mon peuple pour jurer par mon nom en disant « Yahweh est vivant », comme ils ont enseigné à mon peuple à jurer par Baal, ils seront édifiés au milieu de mon peuple. Mais s'ils n'écoutent pas, j'arracherai. J'arracherai une telle nation et je la ferai périr, dit Yahweh. Comprenez, les comptes seront justes. Il n'y aura ni impunité, ni mauvais payeur au dernier jour, le jour du bilan. Un dernier mot. En quoi Dieu a-t-il manifesté dans ta vie le fait que tu ne sois pas à ses yeux un voleur, squatteur, profiteur, usurpateur, menteur? Dieu n'est-il pas un bon Père qui manifeste la justice, la vérité? Seigneur, au secours, sois notre secours. Amen. L'homme de ce monde est devenu un mauvais père à l'image de son mauvais père. Voleur, squatteur, profiteur, usurpateur, menteur. Un mauvais père engendre de mauvais fils qui deviennent de mauvais pères. Les enfants d'un mauvais père peuvent-ils devenir de bons pères? Seul un retour à Dieu peut sauver l'homme, puisqu'il ne sera sauvé qu'en devenant un bon père, digne d'entrer au ciel éternel de la justice. L'homme paiera tout ce qu'il a consommé et bénéficié dans ce monde, afin que tout ce qu'il a fait, volé, squatté, profité, usurpé, menti, soit pesé et compté par le propriétaire de ce monde. Par le propriétaire de ce monde.
Ce monde est à moi, il m'appartient, je l'ai fondé de mes mains, je le maintiens en état de fonctionnement. Chaque jour, je serai juste, tous les comptes seront justes. Il n'y aura pas de dette ni de mauvais payeur dans l'éternité. Parle Yahweh contre tous mes mauvais voisins, tous s'ils apprennent bien les voies de ma peuple, pour jurer par mon nom, ils seront édifiés au milieu de mon peuple. Mais s'ils n'écoutent pas, j'arracherai une telle nation et je la ferai périr, dit Yahweh. En quoi Dieu a-t-il manifesté dans ta vie le fait que tu ne sois pas à ses yeux un voleur, squatteur, profiteur, usurpateur, menteur, Les comptes seront justes, il n'y aura ni impunité, ni mauvais payeur au dernier jour, le jour du bilan. Thank you.